Lors de sa visite au Burundi, la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a visité la banque CRDB Bank, une banque d'origine tanzanienne, pour s'enquérir d'une part des conditions de travail du personnel et d'autre part de s'informer du fonctionnement de cette banque au Burundi. CRDB Bank, qui est une banque implantée au Burundi depuis 2012, a 4 agences actives. Bientôt, une autre agence ouvrira Gitega avec un capital social au Burundi de 19 625 millions de francs burundais. La CRDB Bank se trouve à la 5e position sur le classement des meilleures banques au Burundi, avec un bénéfice de 9,3 milliards de francs burundais à la fin de l'année 2020. Pour le directeur de la CRDB Bank Burundi, Frédéric Siwale, cette banque a trop contribué dans l'inclusion financière et dans l'économie burundaise. Excellence, Madame la Présidente de la Tanzanie, notre banque a trop contribué dans l'économie burundaise et dans le secteur des finances et de l'inclusion financière. Je voudrais vous informer que la CRDB Burundi a accordé des crédits à ses clients. La banque a accordé plus de 170 milliards de francs bourg de crédits à ses clients, équivalent à 74 millions de dollars américains. C'est une énorme contribution dans l'économie burundaise, Excellence, Madame la Présidente. Nous continuons à progresser à chaque année. Si on essaie de comparer les chiffres de cette année par rapport à l'année passée, on a évolué de plus de 31%, équivalent à 370 milliards, à peu près 186 millions de dollars américains. Et les clients ont continué de nous faire confiance car on a eu des nouveaux clients. Et on a bénéficié de plus de 63% des nouveaux clients, ce qui représente une somme de 213 milliards de francs bourg, équivalent à 108 millions de dollars américains. La présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, s'est réjouie du travail déjà accompli par CRDB Bank, une banque d'origine tanzanienne, en investissant au Burundi, dans le but de tisser les liens d'amitié existants entre le Burundi et la Tanzanie. Je remercie énormément tous les employés de CRDB Bank Burundi pour m'avoir accueilli chaleureusement, mais j'aimerais remercier d'une façon particulière les dirigeants de CRDB au niveau régional pour avoir traversé les frontières afin de venir investir au Burundi. C'est un choix audacieux. Je vous félicite infiniment. Vous méritez des éloges. C'est une grande opportunité de souder les relations solides entre la Tanzanie et le Burundi, deux pays amis et unis par le même destin, et vous devrez savoir que nos deux peuples forment une même famille. La présidente tanzanienne a remercié le gouvernement du Burundi pour avoir facilité le travail de la CRDB Bank sur le sol burundais et a recommandé à la CRDB Bank de continuer à contribuer au développement du Burundi. Une banque qui emploie 95 employés, dont 90 Burundais et 5 Tanzaniens. Les cérémonies marquant la visite de la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, au siège de la CRDB Bank à Bujumbura, ont été clôturés dans une ambiance bon enfant entre les employés, les invités de marque qui s'étaient associés à la CRDB Bank pour accueillir en grande pompe la présidente de la République unie de Tanzanie au siège de la CRDB Bank.